Et bienvenue à tous les gamers, les gameuses, j'espère que vous allez bien. Vous êtes avec Maxilar et on se retrouve aujourd'hui à nouveau sur Forza Horizon 5 sur ma chaîne YouTube pour la vidéo de la saison hiver championnat 25, toujours encore ce championnat Horizon créatif dédié au labo d'épreuves, aux créations d'épreuves de circuits. Et du coup, cette nouvelle saison, c'est la saison hiver. On a déjà fait l'été et l'automne. Et qui dit nouvelle saison, dit chasse au trésor, défi photo. Et là, on a même des objets à collecter. Mais commençons par la chasse au trésor. Cascade cachée, horizon, rat. Et du coup, on nous donne rendez-vous à l'ouest du site du festival Horizon Baja. Et tourner le regard vers la côte pour trouver le parcours d'obstacles cachés. Ça va pas être compliqué comme d'habitude. On va prendre une petite voiture qui correspond à ce qu'on a sur la vignette. Non, c'est un Renegade, un CJ5 qu'on a, mais là on va prendre le Jeep Trail 4 qui me paraît un peu plus opti. Eh oh, oh, on vient d'arriver avec la voiture. On vient de la sortir, il nous l'a déjà rayé le con. Eh ben heureusement qu'on a un pare-buff les copains. Parce qu'à peine sorti du garage, elle était déjà emboutie la caisse. Allez, on prend notre Jeep Trail 4 du coup de 2016 un peu préparé, histoire de pas trop se traîner, et on va se diriger, regardez bien la carte, regardez bien où on va, juste ici au croisement avec la route en terre. Et voilà, on est déjà dans la zone, pourquoi? Parce que regardez sur ma gauche, et voilà le parcours d'obstacles de l'antenne d'Horizon Wild. Allez, bien sûr, sur la carte, on nous met la zone. Et on va pouvoir voir aussi l'indice de la vignette, bien sûr. Mais forcément, on sait où il est le coffre. Il est tout en haut de cette structure, cette méga structure qu'on va devoir escalader ensemble avec ce Jeep. C'est parti, on va directement se placer devant le départ avec cette magnifique Jeep. Allez, on y est. Et 3, 2, 1, c'est parti, let's go. On se lance dans ce parcours d'obstacles de la saison hiver du championnat 25 Horizon Créative. Allez, on rase tout, on va éviter de tomber. On a une voiture qui est un peu qu'est-ce que je pourrais dire, on va dire hargneuse, un peu vive, un peu nerveuse. Du coup, on va aller doucement sur la pédale d'accélérateur parce que j'ai pas envie de me retrouver tout en bas et de devoir remonter toute cette structure. Alors là, ça va, on est encore dans les premiers étages. Mais bon, on va éviter. On va essayer de faire ça en one shot. Et la petite chicane qui passe tranquille. Quelle aisance. Et oh, des dinos. Des T-Rex. Ou des Raptors. Oh, c'est des Raptors. Let's go. Baby Raptor. J'en ai juste éclaté un juste pour qu'il fasse le rugissement. Ils sont trop bien faits quand même ces dinos. Dino Pignata. Allez, on continue à monter. Continuons notre ascension. Bien sûr, n'hésitez pas hein, pendant qu'on monte cette structure à m'écrire un petit commentaire. À me dire si vous avez galéré ou si au contraire c'était une simplicité monstre pour vous. En tout cas, c'est bien sympa ces petits parcours d'obstacles pour les chasses au trésor de ce championnat. Avec des créations de joueurs, bien sûr, hein, Horizon Créative. On comprend pourquoi. Mais c'est franchement cool. Alors qu'on arrive, je pense, au dernier étage, au top of the top. Yeah, on y est. Et nous voici face au coffre. Allez, allons-y. Première et gaz. Et le coffre au trésor détruit, les 100 000 CR récupérés, cascade cachée, Horizon Baja. Je dis à chaque fois Horizon Wild, c'est l'antenne d'Horizon Wild, c'est Horizon Baja. Mille excuses. Et du coup, la chasse au trésor, cascade cachée, Horizon Para. On va dire Bara aussi, on va bien le prononcer. On va pas se faire défoncer dans les commentaires. Du coup, la chasse au trésor terminée. Du coup, on part avec le défi photo où nous dit de prendre une RS6 Audi avant. Une RS6 avant, c'est un break. Break de chasse, comme on les appelle. Et bien sûr, on va prendre la RS6 avant 2021. La petite
voiture GMK dans sa version ABT, full performance. Et bien sûr, n'hésitez pas, alors qu'on vient d'arriver avec cette magnifique Audi sur la map, à vous abonner, activer la cloche de notification si cette chasse au trésor de la première partie vous a déjà aidé et a pu vous aiguiller. N'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification, à laisser un petit commentaire, je ferai un plaisir d'y répondre. Et au moins, vous serez au courant de chacune de mes dernières vidéos avec la cloche. Cette fameuse cloche de notification. Et du coup, on est déjà sur la carte en train de regarder où est l'hôtel Castillo. Et vous avez vu, c'est juste au-dessus de Guanajuato. Alors allons-y, téléportons-nous à l'hôtel Castillo avec cette magnifique Audi RS6 avant de 2021. Et voilà, nous arrivons sur place. Allez, on va rentrer dans la cour. Un petit drift. Allez, et on chope le petit lampadaire avec le cul de la bagnole, c'est magnifique. Mais maintenant, elle est cassée et nous allons faire une photo. Donc déjà, on va prendre un autre angle que ça. On va se mettre dans le bon sens. Voilà, là, la voiture est idéalement placée. Bien sûr, on se met en mode photo et on fait un petit coup de réparation parce qu'on vient de manger le pare-choc arrière sur le poteau, sur le lampadaire en arrivant, mon copain. Et on réparait ça avant de prendre la photo, mon copain. Allez, regardez-moi cette voiture. Regardez-moi cette RS6 de 2021 avec ce kit ABT complet. Elle est juste bestiale. Bestiale, incroyable. Et du coup, on a un angle sympa. Allez, on valide la photo et... Et c'est bon, on avait tout juste, c'est bien une Audi avant et on a bien photographié dans la cour de l'hôtel Castillo. Jardin avant, terminé le défi photo. On est arrivé au bout. La chasse au trésor et le défi photo maintenant sont faits. Il ne reste plus qu'un élément que je voulais vous proposer dans cette vidéo. C'est bien sûr les objets à collecter, point de non-retour. Et ils nous disent d'aller au niveau de la grande caldeira, au sommet de la montagne de la caldeira, et aussi aux alentours du grand télescopio, le grand télescope. Et nous voici directement sur place et on peut voir que à notre téléportation on a directement une petite fiole, un petit tube à essai qui est là devant nous. Et allez, c'est parti. Je crois pas que c'est un tube à essai d'ailleurs, c'est peut-être un bécher, je sais plus comment on appelle ça. Dites-moi dans les commentaires si vous vous souvenez de vos cours de chimie, si vous savez exactement comment s'appelle ce petit bocal de prélèvement. Moi je crois que c'est un bécher, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, ils appellent ça une fiole. Je suis pas sûr qu'on appelle ça une fiole en chimie. Allez, éclatez-vous dans les commentaires. C'est peut-être un moyen de mettre de l'animation. Dites-moi le terme exact pour cet objet qu'on est en train d'éclater, tout simplement. Je vais pas tous vous les mettre à l'image, hein, juste vous en montrer quelques-uns, au moins que vous sachiez un peu où ils sont, à peu près au niveau de la grande caldeira. On a déjà détruit la moitié. Bien sûr, vous avez la petite technique du rembobinage. D'ailleurs, je vais vous montrer avec la marche arrière là. Regardez, on éclate en marche arrière. Tout simplement, on rembobine. Et bien sûr, si on est en version solo, pas en version en ligne, vous mettez en solo horizon. Vous pouvez rééclater, redétruire le même objet indéfiniment juste en rembobinant. Vous n'êtes pas obligé de tous les faire. Vous en prenez un, mode solo, et c'est parti. Et vous me connaissez, on préfère les faire tous. Allez, c'est parti, on continue. Allez, on est encore un là par là. Ok. Allez, on va partir sur la gauche. Ah, dommage, un peu optimiste. Je pensais que j'allais l'avoir. Sur la crête, ici, on en a. Celui-là, tant pis. Alors, la voiture est totalement mal réglée. Vraiment, clairement, elle est très, très mal réglée. Et en plus, on n'a même pas les pneus neige. C'est pour ça que je galère comme un porc. Alors que je suis censé avoir une Quattro.
Dernière génération, c'est censé s'en sortir dans la neige. Vous verrez pour la toute fin de cette vidéo qu'elle se débrouille plutôt bien quand elle n'est pas sur 20 cm de neige cette voiture. Allez, on continue, on voit au niveau un peu des baraquements, vous pouvez voir qu'il y en a encore. On va essayer de faire un tour sympa. Il n'y a vraiment aucune adhérence, vous pouvez le voir. Là, j'étais en glisse à 30 km/h, je faisais rien. Léger filet de gaz. Et ça n'a absolument aucune traction. Allez, voilà, on continue. Et là, on va se diriger de l'autre côté de la Grand Caldera, tout simplement, parce que je vais vous montrer qu'il y en a aussi qui sont disponibles au Grand Telescopio. Au Grand Télescope, ils nous ont dit qu'il y en a deux emplacements possibles. Donc, on va y aller. Pour confirmer qu'on a aussi des fioles là-bas à détruire. Et pour terminer tout simplement nos dernières fioles. Il y en avait encore de l'autre côté, mais voilà. On nous a proposé deux emplacements différents, deux lieux. Allons les découvrir les deux. Et ça nous permet de confirmer si on a bien des fioles. Et en quelle quantité. Je pense qu'on a bien moins de fioles au niveau du Grand Telescopio qu'au niveau du sommet de la Grand Caldera. Alors on arrive. J'en vois déjà une directement ici, vous l'avez tous vu, tout comme moi. Si je compte bien, on est à la 17 ou 18e fiole, donc on est bientôt au bout. Voilà, je pense encore une ou deux, et nous sommes au bout enfin des objets collectés. Et ça y est, et oui, c'était bien ça, point de nos retours. Terminé, le compte est bon, nous avons détruit les 20 fioles, les objets à collecter cette saison hiver. Et du coup ça y est, on a tout fait, objets à collecter, point de non-retour terminé, défi photo, jardin avant aussi, chasse au trésor, cascade cachée, horizon, barra, c'est terminé, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, à me laisser un petit commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez faire un petit tour sur la chaîne, il n'y a pas que du Forza, on a rentré plein de nouvelles choses. Je vous garde des clips insane de X-Defiant, des dernières bêtas qui sont jouées, la date de sortie possible. Voilà, je vous en dis pas plus, vous étiez avec Maxilar, ciao.